Depuis plusieurs années, notre pays s'est résolument engagé à renforcer les droits des femmes, sans distinction. Cet engagement s'est fortement ancré par le déploiement de la stratégie pour la réduction des inégalités femmes-hommes, Gabon Égalité, remise par la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, le 30 septembre 2020, au président de la République, Son Excellence, Ali Bongo Ondimba. Durant les trois prochaines années, nous allons nous atteler à intensifier la sensibilisation à l'éducation sexuelle par la formation et l'élaboration d'outils pédagogiques dédiés. Nous allons accompagner les jeunes filles enceintes et jeunes mères dans le cas de grossesse précoce. Nous allons mettre à disposition des sanitaires de qualité et favoriser l'accès facile aux serviettes hygiéniques au sein des établissements scolaires. Outre le durcissement des sanctions contre les agressions sexuelles en 2020, nous avons renforcé le code civil et le code pénal pour garantir l'élimination des violences basées sur le genre. Le nouveau code du travail, actuellement en examen au Parlement, va enrichir notre dispositif juridique, notamment sur les aspects relatifs au harcèlement en milieu professionnel. L'adolescente, la jeune femme et la femme globalement seront encore plus protégées pour favoriser leur épanouissement social, professionnel et leur autonomisation.